Cette vidéo est sponsorisée par le site parkage.com. Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. J'ouvre aujourd'hui mon second display, Norcana, les terres d'encre. J'espère que cette fois-ci, on va faire tomber une enchantée. Ce n'est encore jamais arrivé pour moi, malgré tout ce que j'ai déjà ouvert. Est-ce qu'il y a une enchantée ici? Je l'espère fortement et on va le découvrir dans cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par le site parkage.com. Vous avez le droit à 5% de réduction sur l'intégralité du site hors promotion et précommande avec le code PKBenji2024. Normalement, c'est ma dernière ouverture, les terres d'encre de l'Orcana. Le quatrième chapitre approche. Et bien, puisqu'on parle du chapitre 4, on va aller regarder directement sur le site officiel si on commence à avoir des petites infos. Ah, le retour d'Ursula. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu passer l'info sur les réseaux sociaux. Donc le quatrième chapitre s'appellera le retour d'Ursula. Et ça donne déjà très envie, le logo est super classe. On va avoir droit à nouveau à un coffret cadeau et ça évidemment je vous ferai l'ouverture. Des boosters, bien évidemment, je vous ferai l'ouverture. C'est vrai que j'ai jamais fait de deck de démarrage encore hein, sur l'Orcana. Peut-être que je vous ferai un deck de démarrage sur ce quatrième chapitre. Le trésor des illumineurs, j'ai adoré franchement. Donc il n'y a pas moyen, je vous ferai une autre ouverture avec. Il y a aussi un coffret cadeau. Pareil, vous aurez droit à une ouverture sur le coffret cadeau. Et après, comme d'habitude, des petits accessoires. Pour l'instant, on est sur l'éther d'encre et on se concentre sur une belle enchantée. C'est ce qu'on veut. En tout cas, c'est ce que je veux moi. J'ai le cutter en main. Je fais la petite incision qui décèle ce dernier display en ma possession. Hop, c'est libéré. Le sort en est maintenant jeté. On va découvrir ce que possède ce display. Allez, le scellé plastique est peut-être défait, mais c'est pas pour autant que c'est vraiment décellé. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, c'est ouvert. Et on chope les trois premiers boosters avec Jafar, Porciné et Mini. Vous savez quoi? Hop, tac, j'en prends trois déjà et je mets le display de côté. Eh bien, c'est Jafar qui se présente en premier. On va commencer avec Jafar. Je croise vraiment les doigts pour qu'on ait du lourd ici. Hein. Ma chance n'est pas exceptionnelle avec les Lorcana jusqu'à présent. Donc, il est temps que la chance se tourne et vienne dans mon camp. On commence avec les communes. Razul, Jim Hawkins, Jetsam, Tapis Volant, Loulou, Eau de Puits Purifiante, carte peu commune avec Kit, Arc de Robin, Il M'Appelle, carte rare Rafiki, carte super rare de Balthazar Picsou. Sur le site Lore Cards, j'ai mis le filtre pour savoir quelle carte je n'ai pas. Bon, ben, elle est enchantée, j'en ai aucune, donc c'est pas compliqué. Et celle-ci, elle est... Eh ben, voyez, parfait, la Picsou, je ne l'avais pas. Bonne pioche pour cette super rare, ça fait plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir derrière cette super rare? Une commune, hein, on commence doucement, bien évidemment. Par contre, elle est très jolie. Offrir un don, très belle scène et très beau dessin, c'est magnifique. Et je vous rappelle que sur la dernière carte, on n'a pas le puzzle, on a les nouvelles règles. J'espérais vraiment qu'ils nous mettent Picsou en puzzle sur le chapitre 3, bon bah tant pis. Le petit porciné, c'est à toi. Booster numéro 2 et on commence avec Mini. Le visuel de Mini qui est sur le booster. Comme quoi, c'est elle qui est sur le booster, mais c'est seulement une carte commune. Ah, on a une carte lieu avec Agrabah. Bon, celle-ci, je l'ai eue en 50 000 exemplaires déjà. Donc, Carnage, Diablo, très joli. Pluto, j'adore. Amadou, gentil. Pluto, encore une fois. Scroop, Simba. Carte rare avec Ursula. Et je crois pas l'avoir, celle-ci non plus. Je regarde vite fait. Hop, hop, hop. Ouais, effectivement, c'est encore une carte que je n'avais pas. Elle est au milieu. Hein. Ah bah, c'est très bien. Il faut que ça continue comme ça. Ça fait plaisir. Lille, Tiberius, Rourke. En super rare, j'avais pas vu. Bon, celle-ci, par contre, je l'ai. Je m'en rappelle. Et derrière, nous avons une peu commune de Prince Jean. J'adore. Une petite carte brillante de l'univers de Robin des Bois. C'est parfait. Troisième booster et c'est Mini. Go, go, go. Allez, on commence justement avec Robin des Bois sur cette carte commune. Kakamora. Je prends le chemin. Balai magique. Loulou. Ordre de la patronne. Balai magique. Hey, hey. Encore une peu commune avec Monsieur Mouche. Carte rare. Je complète ma collection. Alors justement, si je pouvais compléter ma collection avec des jolies cartes que je n'ai pas, d'ailleurs celle-ci ça me dit rien. Ah si, je viens de vérifier, je l'avais déjà, bon j'avais oublié. Donc oui, si je pouvais compléter avec une petite enchantée, ce serait parfait. Derrière nous avons une super rare, décidément on en a des super rares. Simba, je l'ai déjà, donc on va voir ce qui nous attend derrière cette carte en double.
Alors, on redescend sur une carte commune, chiot dalmatien. Et c'est toujours la même que j'ai en brillante. Les chiots dalmatiens, j'en ai eu 50 000 et il me manque toujours la 4A et la 4E. À chaque fois, je tombe sur la 4B, c'est un truc de fou. Je crois que je l'ai déjà en triple en brillante celle-ci. Quatrième booster et on repart avec Porciné. C'est parti, encore mini sur ce booster. Carte commune, Vaiana, le frisé, Diablo, plutôt, Miss Bianca, Nani, eau de forme de Picsou, bombardement en piqué, carte rare de Maui. Je précise, carte rare que je n'avais pas, donc c'est très très bien. Carte rare encore une fois, Audrey Ramirez. Allez, une petite dinguerie là derrière. Ah, super rare. Décidément, on en a un paquet, je pense qu'elles sont toutes sur le début du display. Hein. Allez. Elga Sinclair, ah je l'ai déjà. C'est pas de chance. Booster numéro 5 et j'ai chopé la petite mini dans ce display. Allez, fais-nous une petite surprise s'il te plaît. On commence avec Baboom, Jim Hawkins, Aerosurf, Tapis Volant, Belle Marianne. Chiot dalmatien, c'est lequel? C'est le 4C, donc je l'ai déjà. Tout dégage. Balai magique, une carte lieu Jolly Roger. Elle est très jolie. Lithos en carte peu commune, Géo trouve tout, carte rare, derrière cette carte rare, nous... Eh ben décidément, une super rare de Prince Eric, que je possède déjà, mais c'est pas grave, hein, ça permet de faire des échanges. Allez, je veux une petite dinguerie derrière là, il est temps. Et non, toujours pas, carte commune, je prends le chemin, je crois que je l'ai en brillante celle-ci. Et je suis stupéfait du nombre de super rares qui sont tombés depuis le début. Là, on est seulement au sixième booster, on a eu vraiment beaucoup de super rares. À mon avis, il va plus y en avoir beaucoup dans cette ouverture. Le costume de Robotique, Milo Touch, Jetsam, Balai Magique, Grand-mère Tala, Réparation de Fortune, Adepte de Chernabog, La Plume, Gulliver Glace, carte rare de Mama Audi, je l'ai déjà. Derrière, nous... Oh ! Une légendaire, décidément, ça commence très bien. Il faudrait vraiment que ça continue comme ça. Mais bon, c'est pas en brillante, dommage. Milo Touch, j'ai un doute, je crois que je l'ai. Ouais, je vous confirme, j'ai vérifié, j'ai déjà cette carte légendaire. Bon, bah ça partira en échange. Et on retombe sur une carte commune avec Baboom. Bon, en plus, c'est pas la plus belle des cartes. Hein. Même si c'est une carte légendaire que je possède déjà, je la protège correctement dans une Dragon Shield. Elle sera bien protégée pour la personne avec qui je ferai l'échange. C'est important de bien respecter les cartes que l'on échange avec sa communauté. Et on repart du côté de Mini pour ce nouveau booster. Bon, on fait quand même tomber des belles raretés, mais pas ce qu'il faut. En plus, la légendaire, je l'avais déjà. J'espère qu'on va en faire tomber d'autres. Kida, Kakamora, Triste Cyr, Yago, Belle Marianne, Chiot Dalmatien, c'est lequel? 4E! Alléluia! Enfin un Dalmatien que je n'ai pas, il m'en manque plus qu'un, il me manque le 4A. Quand je dis 4E, hein, pour que ceux qui connaissent pas, vous voyez en bas à gauche, il y a 4E. Parce qu'il y a plusieurs chiots dalmatiens à collectionner, donc ils sont tous sous le même numéro, la carte 4, mais avec des lettres juste après. On continue donc avec Monsieur Stark et Monsieur Mouche, une carte lieu, la tour du sorcier. Derrière, nous avons la carte rare Lucky, que je possède déjà. Une carte rare encore avec l'hameçon de Maui. Et j'espère que cette fois-ci, on va avoir du beau. Non, toujours en carte commune. Oh, c'est Stitch. Ça va, je prends. Je ne l'avais pas en brillante, celle-ci, de mémoire. En plus, elle est très jolie. Hein. Le visuel est vraiment classe. Jafar encore et toujours. Que sa magie me fasse dropper une enchantée, s'il vous plaît. Razoul en carte commune. Zaza, Triste Cire, la reine, capitaine Amelia, guérit les blessures. Le génie, Ursula, Hydros. Une carte lieu, la maison de Belle. C'est une carte rare. Encore une carte rare, fiole de lumière d'étoile. Et derrière, il s'agit d'une carte commune encore. Oh, le roi Louis. Elle est très sympa. Franchement, elle est très très jolie, cette carte commune. Mais bon, voilà. Je veux autre chose, s'il vous plaît, sur les brillantes. Bon, par contre, elle est vraiment très belle. Porciné, c'est à ton tour. Yo, allez, go. On a qui? L'Olympe, ce serait pas plutôt par là. Hop, Peter Pan, le frisé, l'oiseau de feu, réparation, le pays imaginaire en carte lieu, Motunui en carte lieu encore une fois, effort désespéré, très joli, carte peu commune encore, Pandar, derrière c'est une carte rare, carte de la planète au trésor,
Est-ce qu'on va aller plus haut? Non, on reste sur une carte rare. Peter Pan, très joli. Allez mon petit Peter, on croit en toi. Envoie-nous la force et la magie du pays imaginaire pour une belle carte ici. Eh non, c'est, bon, c'est déjà mieux qu'une carte commune. C'est une carte rare en brillante et il s'agit de la lampe du génie. Bon, pourquoi pas, c'est une carte objet, mais bon, ça reste quand même la lampe du génie. Et puisqu'on a eu la lampe, autant prendre le booster avec Jafar. Peut-être que c'est un signe. La dernière carte m'a guidé vers ce booster. Allez go, on commence avec le costume de robotique en carte commune. Zaza, Milotach, Balai Magique, Réparation, Kida, Wendy Darling, le bleu, lumière, la plume. On est sur la carte rare quand soudain survint Zeus. Très jolie carte. Hop, derrière nous avons... Ah, une super rare encore! Décidément. Allez, nous avons... Mystique! Je crois que je ne l'ai pas celle-ci. Je vous confirme, c'est une nouvelle carte. Parfait. Ça, ça fait plaisir. Allez, espérons qu'il y ait du lourd derrière Mystique. Ah, oh, toujours pas. Carte commune avec Flotsam. La magie de la lampe nous a offert une carte super rare que je ne possédais pas. C'est pas trop mal. Mais bon. Vous le savez, je suis gourmand, j'en veux toujours plus. On continue avec cette carte commune de Helga Sinclair. Nickedouille, Bobby, Yago, Roi Louis, Mr. Snoops, Clé de Turbo, Talisman Sumérien, Carte lieu, Marais Mystérieux. On est sur la carte rare avec Ondin Ensorcelé. Elle est classe cette carte, elle est pas mal. Et carte rare encore. Hadès, oh elle est belle. Je suis pas sûr de la voir, je jette un coup d'œil. Je l'ai déjà. Allez, au moins une nouvelle carte derrière s'il vous plaît. Oh, un peu commune. Et il s'agit de Lithos. C'est toujours un poil mieux qu'une carte commune. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas ouvert un booster de mini. Eh bien, on s'attaque à son booster. On va voir si elle nous cache une belle chose sur la fin. Tui, sur cette première carte, Vaiana. Crois-moi, j'ai vu pire. Mystique, distraction, patch. Ah, j'ai bugué, je croyais que c'était un des chiots, mais non. A touché mon cœur, Wendy Darling, Petit Jean. On est sur la carte rare, il en faut peu pour être heureux. Il me faudrait une enchantée. Et derrière, nous avons... Ah, une super... Mais il y en a combien des super rares sur ce display? Allez, c'est Chernabog. Je me rappelle, je l'ai déjà eu, celle-ci. Donc on espère qu'elle nous cache quelque chose de mieux. Et non, peu commune avec Kit. Bon, elle est sympa. Allez, on prend. Go, 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 on continue. On ne se laisse pas abattre. On va forcément avoir une petite dinguerie ici. Je le sens. C'est Mickey en plus qui nous accueille sur le début de ce booster. Billy Bones, Bobby, Pua, Porte du Coffre, Orville, Prince Jean... La carte lieu de chez Tiana. On continue sur une carte commune, Petit Jean. La carte rare, le chapeau du sorcier que j'avais eu en brillante, hein, d'ailleurs, qui est très jolie. Derrière cette carte rare, il y a une super rare encore. Allez, et nous avons Shenzi, que je n'ai pas. C'est une nouvelle carte super rare, et ça, ça fait plaisir. Et ça, ça fait moins plaisir. Par contre, tu... Ah, elle est belle. Elle est belle. Il y a quand même des belles cartes hein, sur les communes. Il y a des beaux visuels. Ça sauve un peu la déception de tomber sur une commune quand on a un beau visuel. Allez, Mini ! Allez, Mini ! C'est pas le tout de sourire sur le booster, là. J'ai envie que tu me donnes le smile à moi aussi. Robin des Bois sur cette première carte. Voyage, Flotsam, Mystique, Distraction, Ordre de la Patronne, Balthazar Picsou... le palais de Cusco en carte lieu, Mama Audi, carte rare de Pluto, il est trop beau. Derrière nous avons encore une super rare, mais je reviens pas. J'ai pas le souvenir d'en avoir eu autant dans les autres displays, c'est peut-être moi qui bug, hein. Autant c'est normal. Hop, et c'est Wendy Darling, je l'ai déjà, et même en brillante. Allez, il nous faut autre chose. Oh, carte commune, on va pas y arriver. Ah! Ah non, j'ai cru que c'était les chiots. Bon, mais non, en tout cas, celle-ci, je suis sûr de ne pas l'avoir en brillante. Bon, on va aller du côté obscur de la force de Disney avec Jafar, puisque les gentils personnages ne veulent pas me donner une enchantée. Je me rabats sur un des vilains de l'histoire, Nottingham, en carte lieu. Derrière, nous avons Voyage, Flotsam, Offrir un don, Kit, Eau de pluie purifiante, Fifi, Frère Tuck, Jafar... La carte rare de Morph, avec une autre carte rare derrière avec Mufasa. Et carte commune avec Rufus. Elle est pas mal, elle est pas mal, elle est jolie. Bon bah le côté obscur n'aura pas été ouf. Hein. Bon bah
On va avec Mini. Hop, on commence avec Helga Sinclair, Nick. Kudouille, Aéro, Surf, l'oiseau de feu, Capitaine Amélia, Amadou, Gentil, la reine, Turbo, Effort désespéré, carte rare, debout tout de suite. Elle est belle cette carte. Je ne l'avais pas. Je viens de vérifier parce que justement je l'ai trouvée belle et ça m'étonnait de ne pas m'en rappeler. Très jolie carte rare, ça fait plaisir. En plus j'adore l'univers de Peter Pan, le Capitaine Crochet, ça me plaît. Encore une carte rare avec Pyros. Alors je vous avoue que celle-ci, ça ne me dit rien non plus. Et je ne l'ai pas, parfait, deux cartes rares que je n'avais pas. Allez, si on pouvait continuer avec un joli trio de cartes que je n'ai pas. Un peu commune. Adepte de Chernabog. Bon, un peu commune, je l'ai, mais pas en brillante. On commence à s'approcher de la fin, et là, j'en ai marre de ne pas avoir de chance et de ne pas avoir d'enchanté. Il faut vraiment que ça tombe. Allez, on y croit. Envoyez-moi votre force, même si c'est déjà tourné, envoyez-moi votre force. L'Olympe, ce serait pas plutôt par là. Della Duck, je prends le chemin. Balai magique, Roi Louis, Mr. Snoops, Jafar, Pandar, Gulliver, Glace, carte rare, Robin des Bois, elle est belle. Derrière, nous avons... Oh, une légendaire. Allez, dites-moi que je ne l'ai pas. J'aurais aimé qu'elle soit sur la fin en brillante. Hein. Allez, allez. Qui est-ce? L'Hydre. Je ne l'ai pas de mémoire. Je vérifie. Je vous confirme, je n'ai pas cette carte. Parfait. Ça fait plaisir. Une légendaire que je n'avais pas. Et derrière, nous avons... Oh, une carte commune. Distraction. Ouais, en plus, il se fout de ma gueule, lui. C'est pas le genre de personnage que t'as envie de voir quand tu veux choper une enchantée. Pour la légendaire, évidemment, ça part dans une perfect fit de Dragon Shield. Je vous mets le lien, hein, pour ceux que ça intéresse, dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez acheter les mêmes sleeves. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser le code de réduction dessus. Quand je vous dis qu'on approche de la fin, il reste 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 boosters. Avec un booster de plus pour Jafar. Donc allez, on prend Jafar. Je commence à baliser. Go! Et on commence avec Mickey. On continue avec Billy Bones, Zazu, Lena de Sortilège, la carte lieu, le manoir de Picsou, Orville, la reine de cœur, la reine tout court, Turbo... Mini en carte... Ah, je crois pas l'avoir, celle-ci. Ah bah si, a priori, je l'ai. Bon, bah, elle m'avait pas marqué, cette carte. Ok, on continue. Derrière, on a une carte lieu château de la reine en carte rare. Bon, bah, ce lieu rare, je l'avais déjà. Pourtant, il m'en manque que 3. Et derrière... Ah, est-ce qu'il y a autre chose que des rares? Bon, bah, écoutez, on va découvrir. En carte lieu... Ah, bah, on a eu une rare. Ok, d'accord. Je commençais à baliser, je me dis, est-ce que c'est une enchantée Alors, ça me ferait plaisir d'avoir une enchantée lieu, mais je préfère avoir un personnage. J'avais presque peur d'avoir une enchantée lieu. Alors, c'est le RLS Héritage, en carte rare, et je l'avais déjà, mais pas en brillante. Et je n'ai plus de sleeve. Oh loulou, comment je vais faire? Bon, bah alors, attendez, faut que je trouve une solution. J'ai peut-être ça qui traîne, qui était dans un colis d'un abonné. Bah écoutez, ça m'a l'air parfait. En plus, elles sont bien épaisses, ces sleeves-là. Oh, bah parfait, c'est bon. Il me reste des sleeves. Ouf! Allez, c'est le sixième booster avant la fin. On commence avec mon petit bourriquet que j'avais eu en carte brillante dans je sais plus quelle ouverture, mais j'avais adoré. Stitch qu'on a eu tout à l'heure. Milo Touch. La carte lieu montagne interdite. Rufus qu'on a eu en carte brillante tout à l'heure. Kida. Archibald Gripsou en peu commune. Kit, carte peu commune. Une carte lieu, la tour du sorcier. Carte rare, Gustave le géant. Allez, allez. Une carte rare de Stitch, ok, et, ah, encore, une carte lieu, Nottingham, que j'ai déjà, mais pas en brillante, décidément. Bon, bah écoutez, on se rapproche de la fin, donc là, il nous reste plus beaucoup de chances d'obtenir une enchantée, mais tout est possible, hein, tant qu'on ouvre des boosters, tout est possible. Kida, sur cette première carte, Della Duck, carte lieu, le manoir d'enfer, Pua, porte du coffre, Miss Bianca, 99, chiot, bombardement en piqué, libérer les titans, oh, une super rare de génie, je l'ai déjà, je m'en rappelle très bien, derrière nous avons... Oh, une légendaire! Mais pourquoi on l'a pas en brillante? C'est pas vrai! Allez, une légendaire de sous fétiche. Je suis quasiment sûr de ne pas l'avoir. Je vous confirme, je ne l'ai pas. C'est parfait. Allez derrière, une petite enchantée et ce serait magnifique. Et non, on se contentera d'une commune de la reine. Je me rappelle pas si je l'ai eu en brillante. Je ne crois pas.
4 boosters, je balise. Hein. Comme je vous l'ai dit, normalement, c'est ma dernière ouverture du troisième chapitre. Donc ce serait bien que j'ai quand même une petite enchantée, au moins une, pour le troisième chapitre. Allez, bourriquet sur cette première carte. Une carte lieu Agraba. Zazu, Léna de Sortilège, Grand-mère Tala, réparation de fortune, La Fée Clochette, Moi j'ai un rêve, Nala, une carte rare de John Silver avec... Oh ! Et elle est pas brillante ! Une légendaire quand même. Allez, derrière, il s'agit de... Ursula ! Je l'ai pas, je suis quasi sûr de ne pas l'avoir. Yeah, je l'ai pas. Oh ! Et alors, attendez, je viens de voir sa cote. Attendez, je vous montre. Elle est là. 39 balles ! Et puis alors, sa version enchantée, elle a 400 euros. Hein. Bon, 39 euros. Bon, par contre, elle est pas en brillante, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, je suis bien content de l'avoir droppée, parce que dans un échange, ça fait mal quand on doit échanger une carte à 39 euros. Ça, c'est très bien. Très bonne surprise. Et derrière... Ah, une carte lieu encore. C'est une carte commune de Agraba. Évidemment qu'elle va dans une perfect fit de Dragon Shield. Bon, ça fait plaisir hein, quand même. La légendaire de Ursula. Par contre, là, je pense que c'est mort. On n'aura pas mieux dans l'ouverture, d'après moi. C'est le trio de fin. Allez, on va terminer par Jafar. On commence par Porciné. Troisième booster avant la fin. J'ai la trouille, j'ai peur, je veux du lourd, s'il vous plaît, je veux une enchantée. Je veux en voir une, je ne sais même pas quoi ça ressemble en vrai, une enchantée, j'en ai jamais vu en vrai. Carte lieu de Nottingham, Stitch, Don, Carnage, Montagne Interdite, Rufus, Le Pays Imaginaire, Motunui, bah décidément on en a des cartes lieu, A Toucher Mon Cœur, Mystique, carte rare. Cœur de l'Atlantide, avec derrière une carte rare, Vaiana, très jolie. Ouais, j'ai vérifié parce que j'avais un petit doute, je ne l'avais pas, c'est parfait. Et derrière, carte rare brillante de carte de la planète au trésor. C'est l'avant-dernier booster, c'est mini, que va-t-elle nous offrir? Allez, je sors les cartes, on commence avec Baboum, on continue avec... Peter Pan, la carte lieu, le manoir de l'enfer, offrir un don, le manoir de Picsou, Patch, Rolly, Maui, rapière du capitaine Crochet, je stresse. Carte super rare, shérif de Nottingham, et je crois pas l'avoir. Eh ben si, je l'avais, comme quoi je m'en rappelais pas. Dommage. Derrière nous avons une super rare, mais pas en brillante. Madame Médusa, alors je vérifie parce que je sais plus. Je ne l'avais pas, cette fois-ci ça fait plaisir. Une carte super rare que je n'avais pas et... Oh, on va pas y arriver. Carte peu commune, oh avec Pluto. Bon mon petit Pluto, difficile de lui en vouloir. Hein. Bon allez, je prends le petit Pluto, je l'adopte. C'est l'ultime booster et c'est Jafar. Allez, je mise toute ma dernière chance dans cette ultime booster, l'Orcana du troisième chapitre, les terres d'encre. Allez, faites que j'ai une enchantée ici, s'il vous plaît. Tui, en carte commune. Milo Touch, crois-moi, j'ai vu pire. La reine, quitte, guérit les blessures. La reine de cœur, hey hey. Libérer les titans. On est sur la carte rare avec Simba. Très très belle carte rare du roi lion. Derrière, une super rare. Mais c'est ouf la quantité de super rares qu'on a eu. Une super rare de Pongo. Je crois que je l'ai. Yes, je vous confirme, je l'ai. D'ailleurs, je me demande si je l'avais pas eu en brillante. Je sais plus. Allez, c'est l'ultime carte. Hein. C'est l'ultime carte. Faut absolument qu'on ait du lourd ici. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ah, c'est une carte. Bon, c'est mieux qu'une commune ou qu'une peu commune, mais j'ai toujours pas droppé de carte enchantée. Et c'est Morph. Alors, en plus, je crois que je l'ai déjà en brillante. Oh, oh les boules. Ah, les boules. C'est l'heure du récap, les amis, avec les cartes communes. Bon, il y a les slips qui sont un peu grandes. Hein. J'ai fait avec, du coup, ce qui me restait. Carte commune brillante avec la carte lieu de Agraba. La reine, carte lieu de Nottingham, distraction, Rufus, Patch, Tui, Flotsam, Roi Louis, Stitch,
Hop, attendez, j'en ai pris trop. Baboum, oui, on s'en serait passé. Je prends le chemin chiot dalmatien et offrir un don. Carte peu commune en brillante avec plutôt adepte de Chernaborg, Kit, Lithos et Prince Jean. Les cartes rares avec la dernière carte qu'on a obtenue dans cette ouverture avec Morph, carte de la planète au trésor, RLS héritage, la lampe. Et c'est tout. Alors pour les super rares, j'ai pas le souvenir d'en avoir ouvert autant, mais bon, c'est peut-être moi qui dis vague, je sais pas. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faudra que je vérifie si j'en avais eu autant, je ne crois pas. En carte super rare brillante, bah on en a eu une. Et pour les légendaires, zéro brillante, mais sinon on a quand même eu Ursula qui cote vraiment très bien. Et ça fait bien plaisir de la dropper sous fétiche que je n'avais pas. De toute façon, quand on drop des cartes qu'on n'avait pas, ça fait toujours plaisir. Le sous fétiche, l'hydre que je n'avais pas non plus et Milotatch par contre que j'avais. J'en ai quand même obtenu 3 nouvelles et ça c'est très bien. Voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée, on a fait l'ouverture, toujours pas de cartes enchantées, je ne sais pas ce que j'ai, je dois avoir une malédiction. J'espère en avoir une dans le quatrième chapitre, mais tout n'est pas perdu, il me reste un display du second chapitre. Évidemment, je vous ferai une vidéo. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Parkedge.com et vous avez le droit à 5% de réduction avec le code PKBenji2024 sur l'intégralité du site, sauf sur les précommandes et les produits déjà en promotion. Comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace des commentaires pour discuter de tout ça ensemble. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !